Honey, today you get to work on your French listening comprehension skills as I interview Vanina. Salut, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belterre Academy. And I'm here with Vanina from Wayfair USA. Gérer son entreprise aux États-Unis par rapport à gérer son entreprise en France. En fait, il y a pas mal de différences. D'abord, je dirais que c'est beaucoup plus facile de gérer aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, il n'y a pas de contrat, on embauche, les employés sont à Twill, ils sont prêts à se former, ils ont beaucoup de dynamisme. En France, c'est beaucoup plus structurel, il y a beaucoup de hiérarchie. Il y a beaucoup de réglementations, des tonnes, droit du travail, enfin, etc. Donc en fait, je dirais que c'est nettement plus facile de gérer aux États-Unis. Il faut savoir que, en plus, il n'y a pas de réglementation, à part qu'il ne faut pas faire de différence entre, évidemment, les hommes, les femmes, et puis entre les races. Il faut donner un salaire minimum, mais sorti de ça, il n'y a pas de réglementation. Donc après, le rapport avec les employés est super simple. Il faut savoir que c'est la politique de la porte ouverte. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, n'importe quel employé peut aller voir le boss, entre guillemets, et voilà, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous, même si tout le monde se dit tu, tout le monde se respecte, donc je dirais que c'est beaucoup plus facile. C'est super bien expliqué. Avant d'aller plus loin, Vanina, si déjà cette vidéo vous est utile, et bien déjà un petit pouce, merci de soutenir la chaîne. Petite question, Vanina, si une entreprise est à la fois basée en France et aux États-Unis, comment ça fonctionne ? Alors, je dirais, nous, on est d'ailleurs dans le cas. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que, si les équipes doivent travailler ensemble, donc il y a des différences culturelles, entre autres. Il faut les faire se comprendre entre elles. Ils ont souvent, l'Américain veut que ça aille vite, veut que ça avance vite. Le Français va faire beaucoup de réunions, il veut la perfection. Donc, souvent, il y a des dissensions par rapport à ça. Après, ils ont des façons beaucoup plus, simples de faire aux États-Unis. Alors des fois en France, il faudra apprendre à simplifier. Après, parfois, entre autres dans l'engineering, les Français vont être plus pointus. Donc là, il faudra transmettre toute la formation et tout ce qu'ils auront pu innover. Donc je dirais il y a beaucoup à apprendre dans les deux côtés. Mais quand ça fonctionne bien, c'est vraiment très bien parce qu'il y a tout un côté pointu que les Français vont apporter. Il y a tout un côté simplicité, facilité. Et en plus, il faut que le job soit fait, quoi. Work done. Donc ça va avancer plus vite, quoi. Donc je dirais que c'est vraiment bien d'avoir les deux côtés. Aussi que gérer un employé en France, c'est pas du tout la même chose, puisqu'il y a ce côté hiérarchie, il va y avoir l'entretien annuel une fois par an, alors qu'aux États-Unis, c'est comme des grands enfants, il faut leur donner un feedback très régulier. En plus, ils sont très positifs, les Américains. Faut pas leur dire oui, c'est bien, faut leur dire c'est super bien. S'ils ont fait mal, faut pas leur dire c'est complètement nul, mais faut leur dire faudrait peut-être t'améliorer. Alors qu'en France, quand on va vous dire c'est bien, ça veut dire vraiment c'est super bien, quoi. Donc encore, on vous dira même pas. Donc je dirais que faut bien prendre en compte ça, beaucoup de feedback aux États-Unis qu'on n'a pas l'habitude. Je dirais que c'est beaucoup plus simple aux États-Unis, je dirais. Alors, on peut parler aussi à midi, ils vont passer, tu veux le dire, mais à midi ils vont passer 2 heures en France, puis ils aiment bien, ils vont aller à table aux États-Unis, ils sont avec leur longbox, c'est leur petit coin, pour leur foutre la paix, ils vont faire leurs emails. Pendant qu'ils mangent. C'est ça, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi. Dès qu'on arrive plus vite à faire les choses aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas toute cette réglementation, quoi. C'est plus fluide, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'après, les Français, je trouve qu'ils sont plus méticuleux dans leur travail. Après, des fois, ils se prennent trop la tête, les Français, alors que des fois, les Américains, ils vont bâcler, entre guillemets, leur travail, il faut leur redire, le refaire. Mais par contre, c'est simple, quoi. C'est pas, il n'y a pas cette lourdeur, cette pesanteur de commandement. Ils vont avancer, quoi. On va avancer. On va faire réunion sur réunion pour voir un détail, quoi. Puis ce que j'aime bien dans les réunions aux États-Unis, c'est il y a un ordre de jour, on va le faire. Top. Il y a une heure ou une demi-heure, on va le faire. En France, on va tellement discuter. Non, mais machin, truc. Non, mais je suis pas d'accord. Ça prend 3h30, on n'aura toujours pas fait. Ouais. Alors merci, Vanina. Ces coordonnées figurent dans la description de la vidéo ci-dessous. Make sure you subscribe to the channel to be notified of the next French conversation. If you have questions regarding this conversation, please write them in the comment box below so that we can answer them for you. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.